Hello, c'est Joe. Aujourd'hui, je te propose un petit entraînement ensemble à faire un AMRAP de 10 minutes. Alors, pendant ces 10 minutes-là, tu vas devoir faire deux mouvements, uniquement deux mouvements, mais tu vas voir, c'est plutôt sympa, le squat et le shuttle run. Donc, pendant ces 10 minutes-là, tu vas devoir faire 2 squats, 2 shuttle run, 4 squats, 4 shuttle run, 6 squats, 6 shuttle run, 8, 8, 10, 10, 12, 12, 14, 14, et ainsi de suite. Ainsi de suite pendant ces 10 minutes de travail-là. Alors, qu'est-ce qu'un squat? Je vais te montrer juste derrière. Qu'est-ce qu'un shuttle run? Eh bien, c'est tout simplement un aller et un retour. Un aller sur 7,5 mètres et un retour sur 7,5 mètres. Donc, 15 mètres. Un shuttle run égale 15 mètres. Donc, quand je te dis 2 squats, 2 shuttle run, tu vas tout simplement devoir me faire 2 squats et 2 shuttle run. Donc, 4 allers. Si je te dis 4 squats, 4 shuttle run, tu vas devoir faire 4 squats et 8 allers. 6, 12 allers. Ok? Je te montre tout de suite derrière. C'est parti. Alors pour le squat, c'est parti. Donc, pied largeur, hanche, épaule, les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. On va venir engager le squat par les hanches, pousser les genoux vers l'extérieur et venir descendre et casser l'appareil. Tu oublieras bien, n'oublieras pas de bien serrer tes abdos et remonter. Extension de hanche complète. On descend et honte. On descend et honte. On descend et honte. Donc ça, c'est le squat. Ensuite, on a le shuttle run. C'est parti. Sur 7,5 mètres, donc un shuttle run est égal à un aller-retour. C'est parti. Et voilà, un shuttle run, un aller-retour. À toi de jouer. Allez, petite démonstration de 2, 4, 4, 6, 6. Let's go. À toi de jouer.